arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et yop le petit pote, c'est vrai cool, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo tout simplement pour faire le défi du méga deck les gars. Ce sera divisé en deux parties, 5 victoires dans une partie et 5 victoires dans l'autre. Donc pour la première partie, on va faire un méga deck aléatoire. Donc on va cliquer, donc pour la première game, on va cliquer une fois, pour la deuxième game deux fois, et etc. Pour, voilà. Et après, on essaiera de choisir un bon deck. Et puis voilà. Avant que la vidéo commence les gars, n'hésite pas à s'abonner, à lâcher le petit pouce bleu, à noter ma miniature en commentaire. Et dites-moi si le son est meilleur déjà, parce que j'ai changé, j'ai modifié 2-3 trucs et puis voilà. Donc c'est parti, on va jouer avec ce deck. Hop. C'est parti pour la première game contre Miller Pro de Pro Club. Ok, donc on a déjà un des 3 mousquetaires en mode départ. Bah je pense qu'on va les jouer. Là comme on en a ici en photo, ça peut être pas mal. Ok, 3 mousquetaires, c'est parti. Ok, il y a une sorcière, pourquoi pas. On va aller mettre l'archi magique, je pense. Allez, petite archi magique ici. Là, on a la guérisseuse, hop, pour tanker. Ok, là, on a les mousquetaires de l'autre côté, très bien. Il a un méga chevalier, ça m'arrange absolument pas. On va une MG pour le sorcier de glace. Ok, l'archi qui fait le taf. Là pour l'instant on gère, on peut lui mettre un petit mineur ici pour aller gratter quelques coups. Ok, il met en zappi, très bien, on va aller mettre je pense une artificière au pont. Puis une sorcière au fond de map pour gratter des dégâts, mais j'ai raté mon truc par exemple. Il y a un petit coup quand même, hop, nickel, parfait. J'ai un gobelin qui on part en cochon de l'autre côté. Le zappi qui va un peu galérer là. Ok, on va mettre le Dark Prince pour tanker le premier coup de Zappy. On peut bien évidemment aller tout gel hein, pour pas prendre de dégâts. Parce que sinon ça fait bobo. On peut aller zap, évidemment. Il spam. Hein. Il a pas peur de spam le frérot. On va aller mettre une petite Valkyrie ici. Qui va se faire défoncer le fiac. Et là c'est le moment où après on va perdre notre tour parce que bon, on se fait fumer. Après on n'a pas du tout un bon deck. Hein. Là c'est un deck absolument pas optimisé pour le méga deck. Mais c'est pas grave, on va essayer de faire quelque chose, on peut la remonter. Il a un méga chevalier donc on peut pas mettre les 3 mousquetaires du même côté. Donc on va essayer de le faire jouer son méga chevalier, comme ça il a plus de MK et on peut mettre 3 mousquetaires sur le même côté. Ok, on va mettre la guérisseuse plus l'esprit. On va aller mettre la MG ici. Ça peut être pas mal là, la MG qui démo le. Comment ça s'appelle là? Ouais, nickel, la voleuse là, qu'est-ce que j'en pense? Ok, on va quand même les mettre de même côté. Oh, l'archer qui gratte, hein. L'archer qui gratte. Ça tue le gobelin sur la bacane. Ça, c'est Gucci. Ça va toucher. Ok, là, il met ça. Donc, ça peut être pas mal. Donc, là, on peut mettre la T2, bien évidemment, pour tanker le méga chevalier. Et là, c'est peut-être le moment de passer. Ouais, je pense que c'est le moment de passer. Hein. Là, hop. C'est très clairement le moment de passer. Mini PK qui va se faire déchirer le fiac. Là, on est bien. Là, on est plutôt bien, je trouve. On a même pris la tour, on peut les mettre un cochon de l'autre côté. En pression, on a le gel si il nous sort une dingue. Ok, bon, on va juste gel comme ça. J'aurais pu. Ouais, j'aurais dû zap et gel les deux tours, c'est pas très grave. Sans grande importance, on va mettre le Dark Prince plus la Valkyrie. Ok, il continue à spam. Sur Zappi qui me ferait chier, c'est dommage qu'il le joue pas. Là, je pense que j'attends qu'il mette un truc pour mettre un marché magique. Ok, là on va partir en sorcière tranquillement. De l'autre côté. Hein. Hop, petite sorcière. Ok, mais son zappi, là c'est le moment d'attaquer. Hop. Je vais mettre bien évidemment une MG pour démo ce zappi. On va aller mettre un mineur ici pour détruire ça. Ça peut être pas mal. Hein. Ok, là peut-être. On tient peut-être quelque chose là, non? Non, non, on tient rien du tout. Attendez, je vois. Ok, on a le marché magique là. Ok, on va mettre la tête de vite comme ça. Est-ce que ça focus? Ok, le focus est bon. Là, on peut bien évidemment les zap plus esprit pour tuer le gobelin sarbacane. Là, on est plutôt bien. Ok, bon. Là, ça, c'est la merde. Ok, bon, parfait. Ça va peut-être tuer le bomber. Ok, on va mettre le cochon pour aller tanker. Est-ce que le MK saute? Il va sauter sur l'arche magique. Ça, c'était obligé. Mais là, il a plus rien, là, le frérot. Là, on va juste défendre ça quand même, histoire de quand même pas prendre trop courant, enfin de pas perdre.
Et on va tout simplement partir en cimetière Valkyrie Gel, comme je fais avec mon deck ladder. Et on va aller, je pense, prendre cette win. Hein. Là, je pense que c'est quasiment impossible de pas prendre la tour. Ah, il y a un... Ah, il y a ça, c'est compliqué. Faut que je fasse gaffe, il y a sûrement un GR. Donc on va mettre la battle ici, on va mettre le D2 en pré-shot. J'ai rien, mec, j'ai que dalle pour le terrestre, c'est trop chiant. J'ai rien pour le terrestre. Ok, et les flèches, ça finit pas. Le mineur. L'archer magique. Allez, l'archer. L'archer, allô. L'archer magique est demandé. Je vais perdre, je vous jure, je vais perdre. Ouais, la première game déjà. J'ai failli me faire soulever. Ok, bon, on va mettre une petite team mode quand même. Voilà, histoire de quand même bien commencer. On a eu chaud. Hein. On va aller prendre la petite clé. Hop. Allez, on va appuyer deux fois pour changer de deck. On va juste voir si je peux utiliser mes clés. J'ai pas de. Bon, bah, allez, c'est parti. On part sur cette deuxième ligne de Sleyman. Ok, donc là, on a notre deck assez. Ouais, je pense que c'est assez lourd. On va mettre le bully sur le map tranquillement. Ok, il y a des recrues, on va les mettre le squelette géant. Le petit squelette géant des familles. Hein. On va les mettre la fly machine ici. Une artille là. Ok, on va mettre le mineur pour aller détruire cette mousquetaire qui va être relou sinon. Ouais, ça peut être pas mal si la mousquetaire pouvait mourir quand même. C'est quand même plutôt idéal. Nickel. Là, parfait. Comme ça, pas qu'un qui meurt. Là, on a une foudre aussi en plus. Voilà, typiquement pour ce genre de queutru. Hop, nickel. On a encore une artie de l'autre côté qui va aller mettre des bons dégâts hein, quand même. Ça, c'est très dommage. On a les barbares d'élite. Hein. Les barbares d'élite sont super puissants. On va mettre le cochon devant pour être relou. Ok, très bien. Why not? C'est pas très intelligent ce qu'il a fait, mais ok, pourquoi pas. On va aller mettre le sorcier. Hein. Le sorcier des familles. On va mettre la sorcière aussi. Je crois que je l'ai mise trop tôt. Les squelettes spawnés. Voilà, merci. Nickel. Les squelettes ont spawn. Je pense qu'on va mettre un peu des deux fourreuses de l'autre côté. On a le gel. Ouais, même une roquette au pire. En fonction de ce qu'il met. Ok, gel défense. Pourquoi pas. Le D2 prend l'aggro. Ouais, bon, ok, on va mettre un chasseur ici pour les défendre ça. Je pense après, pour la prochaine fourreuse, on va utiliser le gel. Hein. Ça va le surprendre, je pense. Ok. On va mettre le boulis ici. Hop, nickel. Bon, là, il va se faire défoncer, hein, son géant. Pas tant que ça, quand même, hein, en vrai. J'aurais dit plus quand même. On va mettre le squelette géant au pont par contre. On a la roquette, hein. J'attends son sorcier. Frérot, faut jouer. Ah, il a racheté, tranquille. Bon, bah, il a arrêté de jouer. Tant mieux, hein. Ça nous fait une petite free win. Ça fait plaisir, hein. Petite free win comme ça. On dit pas non, hein. Surtout qu'on a des decks random, faut pas l'oublier. Ok. Des petits jokers qui me servent absolument à rien. Non, j'ai oublié de changer de deck. Putain, mais quel bouffon. Bon, bah, tombe sur Emerson. Non, tant pis, j'ai oublié de changer de deck. S'il vous plaît, pas de commentaires sur ce que je viens de faire. Ouais, bon. Hop. C'est vrai qu'on en a l'exploit devant. Je pense qu'on met le mineur avec l'artificière. Le mineur il va se faire violer là, attendez. Hop. Petit chasseur ici. Hop, nickel. Voilà la défense qui est solide. Hein. Là on va mettre le ballon directement. On a le cochon, on va mettre le cochon pour l'autre côté juste après dès qu'on a 10 d'élixir. Ça c'est cool. Ok, on va peut-être défendre quand même. On va quand même prendre très cher. Hein. Aïe. Peut-être la tour là. Ouais, je pense la tour là on la perd. Hein. Ouais, il a mis un mortier pression, il a bien joué. Hein. Ah, attends, il a un mortier défensif, il fait quel con. Il a mis un mortier offensif, je me serais fait violer. Bon, tant mieux.
On va aller mettre le hélicoptère ici pour aller défendre cette princesse. On va essayer d'attirer le fantôme plus là le mortier. Je pense on va mettre la foufourre, la foureuse qui va faire le taf, je pense. Là, bien évidemment, allez, gel, hein, pour lui casser un maximum les couilles. Est-ce que on pourrait pas essayer de tuer la Night Witch par hasard? On va aller mettre le bourreau. Ok, ok, ok. On va mettre le bouliste ici. Hop. Le bouliste qui va faire le taf, hein. Qui va être les barbares derrière. Le bourreau qui fait le taf à droite. Le bouliste qui fait le taf à gauche. C'est parfait. On va aller mettre les cochons et les barbares d'élite au pont. On n'a pas de petit sort, hein. Donc là, si Mushi une armée squelette, bah. Mushi une armée squelette. Ok, on a mis une roquette défensive. Pourquoi pas. Ok, bon, là on va aller à la roquette, hein. La tombstone, on va aller à la roquette. C'est pas très value, mais c'est pas grave. On est 6x2, on s'en fout un petit peu, on a un gros avantage. Bien évidemment, allez, fou dans la, la sorcière. Oula, wesh, frérot, détends-toi, on se détend. Ouais, on va me prendre la tour avec ça, mais mon sorcier il est con comme un gland aussi. Vas-y, voilà, ça m'énerve. Mais ouais, je le spam, frère. Calme-toi. Ok. Ouais, il va me défoncer par contre là, les gars, il commence à tout mettre au pont. Ok, on va aller mettre un mineur ballon. Hop, peut-être pré-shot. Non, oh non, il a un chasseur aussi. Oh, relou ça. Ça c'est chiant. C'est pas grave. On va mettre le. La charretas. On va pas défendre, hein. On va pas défendre, on va mettre une sorcière ici parce que là il peut mettre des troupes. Ok, là la sorcière qui va faire le taf. Il met une roquette, très bien joué de sa part. On va mettre un zizicoptère. Okay, on va mettre un bourreau en défense qui va tanker. Le bourreau défensif, vous, vous la connaissez pas encore celle-là. Vous la connaissez pas encore, celle-là, la fourrogène non plus, vous la connaissez pas. Hein. Je vous le dis, c'est une nouvelle technique inventée par moi-même. Je pense. On va mettre un. Ah, la panicada. Non, le. Ça peur, c'est bon. Ça, la française qui focus pas la tour en même temps, ça, ça va. Là, on peut re-aller mettre un cochon barbare d'élite. Hop. Il va remettre la tour à bombe et la roquette, je pense. Non? Il a plus rien pour le ballon là. Hein. Là, il a pu un pont ballon, c'est bien dangereux pour lui. Hop, pour Food, il s'étend pas. Le bouliste qui allait mettre sûrement un coup. Et là, c'est la merde. Si mes fieux gobelins. Tente un truc. On a tenté, ça a marché, tant mieux. Je pense. Ok, je vais le défendre quand même. Hop. Petit sorcier. Je pense, on va les mettre le ballon avec un petit mineur pré-shot. Hop. Tac, nickel. On va mettre le chasseur ici pour tanker le ballon qui va les mettre un coup qui va nous permettre d'aller prendre cette win. Assez. Tendax aussi, celle-là, comme game 1. Tendu. Ok, ça fait 2500 pièces, ça fait plaisir. Excusez-moi pour. La motif. Et j'ai encore envie de changer de deck, mais je suis un bouffon. Yes, bon bah c'est pas grave, hein. Pour l'instant on attend, hein. Bon bah on va jouer chasseur quand même. Il joue rien. Ok, il joue à Tesla, on va lui mettre une machine. On va mettre un bouliste pour tanker. Hein. Ok, une bonne boule de feu, on va les foudre. Ça c'est chiant pour lui, le chasseur qui va faire un gros taf. Hein. Le chasseur qui va rien faire du tout en fait, qui va laisser faire des pastas, des pâtes. Oh, on a évité la charge de Dark Prince, on va minimum... aller mettre les barbares d'élite. Et on garde bien le gel évidemment. Ok, j'ai un électro, très bien. On va aller mettre le bourreau. C'est intéressant de défendre avec un jeu électro. C'était pas. Je sais pas si c'était la meilleure solution. On va aller mettre le cochon peut-être pour tanker. Non, on va rien tanker du tout. Ah. Il y a un H-kit.
Non, il y a quelque chose, c'est juste une slick. Je pense que j'ai une des pires mains possibles, là, on va les roquer de ça. Voilà, on va les prendre la tour. On peut les mettre un ballon, on garde bien le gel au cas où. Mais je pense que le frérot il a rage quitte. Et du coup on va aller prendre la dernière victoire comme ceci. Ah non, il me manque une game, non? Je crois. Ok, on va les freeze. Bon, cette fois on n'oublie pas de changer de deck. Hein. On n'oublie pas de changer de deck cette fois-ci. Hop. Ça c'est plaisir. On va aller prendre le petit jeton, hein, qui on dit pas non. Hop. On va aller prendre ce deck. Je vais me faire fumer, je le sens. Je le sens bien, je vais me faire fumer. Tac. Ok, bon là on a le Kava, on a le fût à squelette. On va mettre le fût à squelette d'abord. Pour commencer. Ok, chasseur plus esprit, c'est très bien joué. On va aller bûcher le chasseur. Je pense qu'on va la charrette. Ouais, on va mettre le gun de glace pour tanker. Ok, on va mettre le caval de l'autre côté. Hein. Ok, il a un pêcheur. Très bien. Intéressant. Ok, ça c'est stylé. On va les mettre le DDE. Bien évidemment, on va les mettre le méga chevalier au pont pour aller tanker ça. On va aller mettre le pêcheur ici. Hop. Faut aller pêcher. Ah, je vais aller pêcher la mamie, dommage. Ok, on va aller mettre la snowball par contre. Ça c'est relou. Non, ça tire le gobelin, putain. Ok, ça saute sur la mamie, ça c'est pas dégueu. On va aller mettre le bouliste. Hein. Le boubou pour les hellos. On a un Arkix. On va aller poser l'Arkix, je pense, hein, directement au pont. Hop. Petite surprise du chef, le petit géant au pont pour aller tanker ce mini PK. Dès que ça meurt, on va aller directement mettre un petit 6 des familles. Hop. Pour lui mettre un maximum de dégâts. On a mis 0 dégâts, yes. On a un gel avec. Hein. Le gel, ils aiment bien me le mettre. J'arrive plus à parler. On met une bûche en pré-shot pour le Dark Prince. On va les gel ça. Hop. Nickel. Il s'y attendait pas. Son Dark Prince, c'est vrai qu'il meurt par contre. C'est relou ça. On va mettre le Kava pour aller tanker tout ça. Les petites qui coûtent. Ok, nickel. La défense qui est plutôt clé, je trouve. On va aller mettre un pêcheur au pont hein, quand même pour aller prendre ce jeu. Je vais garder le méga chevalier. On va attendre que tout meurt. Voilà, nickel. Comme MK ici, que ces armes squelettes passent le pont, ils peuvent mourir par la tour. On va mettre les apisins, évidemment. Il a pas joué son méga chevalier, je crois. On va aller snowball juste ça quand même. Hop, nickel. Et le DDE au pont, on va les zap les gobelins dès qu'ils arrivent au niveau de la tour. Hop, nickel. C'est très bien joué de sa part. On va aller mettre le boulis pour tanker. J'espère que le pêcheur a pas de pêcheur ou ça. Ok, là je pense qu'on va les jouer juste rien du tout. On va juste tempo pour l'instant. Il joue bien le mec en face, mais je pense qu'on a quand même un peu meilleur. On va mettre le géant pour tanker hein, par contre. Et là on peut aller mettre l'Arkix. Ça peut être intéressant de jouer l'Arkix là. Ah il a un méga, j'ai oublié ça. Oh putain. J'avais une 8 envie de faire ça. J'ai vraiment envie de faire ça. C'était vraiment le pire move à faire. Ok, on va lui mettre le gun de glace. On va mettre le canon ici tranquillement pour aller détruire tout ça. On a le comment ça s'appelle, la bûche. Je pense que je vais mettre le cavet, je vais mettre la bûche juste après. On va prendre un peu de dégâts, mais c'est pas trop grave, je pense. On a fait une plutôt bonne défense. On peut aller mettre le fût à squelette hein, par contre. Malheureusement, pas d'ash. Ok, peut-être les squelettes qui vont commencer peut-être un peu gratter quand même, je trouve. Ouais, ils vont quand même bien gratter. Hein. On va les mettre le 6 évidemment. Les petits zappies, là les petits gobelins, petits gobelins là. Hop, ah, ils sont one shot, ok. On va devoir mettre le pêcheur alors. Pour pouvoir tanker ça. Hop, ça reset, nickel, ça se fait reset.
Pour l'instant, je fous le tempo, ça sert à rien d'attaquer. La game, encore une fois, longue. Hein. Encore une fois, elle va être très longue, la game. Je vais mettre le boulis là. Allez, mettre le sorcier ici. Hein. Le boulis qui tanque, c'est pas mal ça. Le boulis qui a bien tanké. Hein. Par contre, on peut aller mettre un géant au pont. Par contre, ça c'est pas intéressant. Bien évidemment, on zappe ceci. J'aurais peut-être dû attendre le reset quand même, je pense. Ouais, j'aurais peut-être dû attendre le reset. C'est pas très grave. Et là, je pense on peut aller le surprendre comme ça. Hop. Avec une petite snowball en plus, ça peut être sympa. Il faut que le jeu en prenne absolument tout. Nickel. On va aller prendre la dernière win de cette vidéo, les gars. C'est long, hein. C'était long quand même. Ok, bon bah c'est nickel. On se termine là-dessus. C'était plutôt une session cool. On va regarder un petit peu le profil de tout le monde. Hop. Il était à 6K. Lui, il était à 5K. Lui, il était à 5K aussi. Lui, il était à 5K4. Et lui, il était à moins de 5K3. Ok, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Les gars, c'était vrai coup. Commentez le hashtag t'es un boulet. Et puis voilà, c'était vrai coup. Ciao.